Allez, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire la présentation du poste que j'ai installé dans ma voiture. Donc, c'est le Atoto A6 Pro. C'est un poste qui fonctionne donc sur Android. Très bon poste. Je l'ai testé là pendant 2-3 jours. Je vais pas vous faire le câblage qu'il y a derrière. Je vous l'ai expliqué un petit peu. Je vous mettrai à la rigueur une photo en vous expliquant un peu tout le câblage qui est possible, inimaginable. La seule chose là que je peux vous dire tout de suite, c'est que le poste, vous aurez donc une antenne Wi-Fi, une antenne GPS, un petit micro pour les appels téléphoniques. Et après, vous avez une ribambelle de câbles qui est livrée avec les fiches ISO, tout ça, et un chargeur USB avec deux fiches en chargeur rapide. Là, on va passer tout de suite sur l'affichage du poste pour vous expliquer un peu toutes les fonctionnalités. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti pour la présentation du poste. Alors, dans la vidéo, vous entendrez sûrement un petit grisonnement qui vient des enceintes. C'est le poste qui fait ça, mais c'est pas un défaut du poste, c'est parce que j'ai plus de batterie. Donc, elle charge en même temps que je fais la vidéo et c'est pour ça qu'il y a ce petit bruit. Si je débranche mon chargeur de la voiture, il n'y a plus aucun son parasite. Allez, on va démarrer tout de suite par le... c'est le même logo que vous retrouvez sur vos iPhones. Pour tout ce qui va être un peu paramètres. Donc, paramètres Wi-Fi. Là, voilà, je suis branché sur mon réseau de la maison. Le Bluetooth pour connecter votre téléphone. Après ça, c'est si vous avez le truc VPN pour éviter d'être piraté, mais enfin bon, dans la voiture je vois pas tellement l'utilité de ça. Paramètres par défaut, ça c'est les paramètres de tout ce qui va être option en fait. Enfin, je vais essayer de mieux remettre et de faire. Voilà, vous aurez une meilleure qualité. La commande au volant, programme au volant, interdiction de regarder la vidéo, donc ça c'est à mettre. Si vous voulez pas regarder la vidéo en roulant, c'est pas autorisé, mais bon, vous pouvez l'activer, le désactiver, les caméras arrière, enfin tout ce qui peut être paramètre par rapport aux petites options qu'il y a. L'affichage, la luminosité, le fond d'écran, vous pouvez choisir. Donc, télécharger ça. Enfin, moi j'ai une RX8, donc j'ai mis le petit moteur, le petit rotor de la RX8. Donc ça, après c'est des écrans animés, c'est un peu gadget, ça nous intéresse pas tellement. La taille des polices et le panneau affichage LED. Alors ça, normalement, si je dis pas de bêtises, si on clique dessus, voilà, c'est pour changer, on va venir là, pour changer les couleurs de l'affichage. Je vais mettre vert, bleu, voilà. Enfin, moi la voiture est rouge, donc je l'ai mis en rouge. Vous pouvez choisir donc ces fonctions là dans l'affichage. Stockage USB. Donc là, on le verra pas. Alors, attends, je vais peut-être essayer d'allumer la lumière de la voiture. Peut-être que... Non, on va pas le voir. Ouais. Bah là, vous avez donc une carte soit micro USB ou un port USB directement pour venir mettre vos musiques ou vos films. Ça, on va voir ça par la suite dans les options. Tous vos comptes, la langue pour le mettre en français. Tout va bien dans les sous-menus, de temps en temps il n'y a pas la traduction en français quoi. Vous avez une phrase en français par exemple, la phrase qui va être en dessous elle va être en anglais. Enfin, bon, c'est pas tellement gênant. Réglage de LAD, d'heure, les comptes Google, ça c'est du classique. Donc voilà, après quand vous arrivez sur donc l'écran principal du poste, ça fonctionne comme une tablette. Donc vous avez le Play Store, vous pouvez télécharger tout ce qui est sur le Play Store, les jeux, les applis, tout ce qui est possible, inimaginable. Vous avez le Google Maps, moi j'ai rajouté le Waze, ça fonctionne très bien, c'est très précis, il n'y a pas de souci. Moi j'ai rajouté mon compte Spotify pour la musique. Donc là vous avez le poste, c'est la radio. Et sinon le petit logo violet, vous retrouverez donc la radio. Moi je les ai mis donc en favori en choisissant mes radios. Donc là elles sont toutes mes radios préférées sont enregistrées. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Donc l'écran vous pouvez pivoter. Donc vous pouvez faire autant de pages que vous voulez, hein, y a pas de souci. Vous pouvez même
comme sur les téléphones, créer des menus où dedans vous avez donc vous avez les deux. C'est exactement comme une tablette. Donc là vous avez la fonction musique, ce qui sert quand vous avez donc vous le retrouvez exactement là, c'est la même chose. C'est quand ce que vous mettez sur votre USB ou sur votre carte micro SD. Hop. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut aller voir? L'Easy Connect. Donc l'Easy Connect en fait, voilà, je vais pas le faire sinon ça va couper la vidéo. C'est pour copier l'affichage que vous avez sur votre téléphone. C'est un genre de dual screen, quoi, on va dire quoi. C'est pour retrouver exactement le menu que vous avez sur votre téléphone avec vos applications qui sont déjà installées sur votre téléphone. Vous pouvez les retrouver directement sur le poste. Donc vous aurez pu donc sur Android. Ça marche sur USB, par Wi-Fi, et sur iPhone, ça marche que par Wi-Fi, par contre, ça marche pas avec, avec le câble. Ensuite, là, vous avez des fonctions directes, le plus, le son plus, le son moins, couper sur mute, redémarrer, avancer, reculer et revenir au menu. Qu'est-ce qu'on a également? Vous avez les equalizers préprogrammés. Pour le son, de 4, 6, 9, et dans les réglages, vous pouvez venir peaufiner. Par exemple, je sais pas moi, sur on va prendre un exemple, hein. On peut pas le faire de là, mais par exemple, sur naturel, on va essayer de trouver ça dans le menu. Où est-ce que c'est? Attends, il faut que je retrouve le menu. Non, c'est dans paramètres, ça doit être dans son. Et là, quand vous allez dans réglages equalizer, voilà, vous retrouvez naturel, jazz classique, et vous pouvez peaufiner directement les réglages vraiment qui vous plaisent. Un petit truc également sur le caisson de basse. Voilà, si vous voulez rajouter un ampli avec un caisson de basse ou autre, je vais pas dire de bêtises, mais logiquement, vous avez deux sorties pour ampli. Bah, là, vous pouvez directement gérer les hertz de votre caisson. Après, vous avez quoi? Intensité, volume, réglage, position de l'écoute. Ouais, voilà, enfin, c'est bon. C'est des petits trucs comme ça. Allez, on va les tester un peu. Bah, donc, ouais, vous avez YouTube. Hein, si vous n'avez pas de compte, on va dire, les Spotify, que vous voulez choper de la musique gratuitement en vidéo, vous allez sur YouTube. Ou alors, même, vous créez un compte Spotify gratuitement. C'est juste que tous les 5 minutes, vous aurez de la pub et vous pouvez pas. Avancer de plus de 3 musiques par heure, un truc comme ça. On va aller voir un petit peu la qualité de l'affichage du poste. Elle est bluffante, franchement. Pour alors, moi, j'avais des postes Alpine dans le temps, alors je veux bien voilà que ça date, mais en qualité, on est vraiment. Je vais essayer de vous zoomer un peu le bazar, mais encore, franchement, ça rend beaucoup moins bien. À l'écran que je filme avec un iPhone que ce qu'on a en direct quoi. Allez, on va prendre un truc au pif. On va parler de n'importe quoi quand même. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui peut donner le... Allez, on y va pour Flash. Vous voyez, c'est bon, là je suis sur le réseau de ma maison, donc peut-être que voilà, si vous êtes à distance c'est pas la même chose. Je vais essayer de vous mettre de loin pour voir. Peut-être qu'en coupant les lumières on aura quelque chose de plus propre. Bon, franchement, ça rend là, la qualité déjà voilà est pas mal, ça rend encore mieux, ça rend encore mieux en direct quoi. Je vais pas vous mettre le son parce qu'il est assez tard et que bah, ma petite famille dort à l'étage. Hop. Le poste, donc comme c'est une application, enfin une tablette, vous pouvez, pour ceux qui le désirent, avoir les petits boîtiers, ce qu'on appelle les ELM 327 ou les OBD2. C'est des petites fiches. Je dois peut-être en avoir une, mais elle est pas. Voilà, j'en ai une. C'est des petites fiches comme ceci qui se branchent directement sur la fiche constructeur. Et en fait, donc, quand vous avez là, j'ai deux petites applications et ça peut vous donner bah, tous les codes erreurs de la voiture. Toutes les capteurs ou les sondes que vous n'avez pas sur votre tableau de bord,
Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien la mécanique. Sachez que voilà, c'est capable de le faire. Qu'est-ce que le poste propose encore également? Derrière le poste, donc, vous avez le choix de mettre des petites caméras de recul. Celle-là, je ne l'ai pas encore installée. Celle-là, c'est celle qui va à la plaque d'immatriculation. Pour mettre des caméras de recul, des caméras latérales. Je pense que si je dis pas de bêtises, je vais vous confirmer ça après. Vous pouvez mettre jusqu'à deux caméras. Donc deux caméras, deux amplis. Vous pouvez mettre un lecteur DVD, mais avec une source RCA. Et moi, j'ai commandé également un petit écran comme ça, un petit écran supplémentaire. C'est un écran qui est un petit peu plus petit que le poste d'origine, qui pareil est branché sur RCA, pour qu'on petit sur la route puisse voir comme il a que 5 ans. Puisse voir si je lui mets un petit film qu'il puisse voir ça tranquillement quoi. En qualité sonore, je vais pas vous mettre le son parce que voilà comme je vous l'ai dit il est tard. En plus du son retransmis comme ça à partir d'un micro, ça n'a pas tellement d'intérêt. À l'origine moi dans la voiture j'avais un poste Bose avec une amplification Bose et des enceintes Bose. Je trouve que le son est meilleur maintenant avec la Toto qu'avec mon poste d'origine. En qualité sonore pour le prix, moi j'ai cherché des postes dans le commerce où justement bah voilà, je pouvais balancer, alors pas spécialement Netflix, Netflix c'est un petit peu le plus, mais du moins Spotify et compagnie. On tournait ouais, aisément au-dessus des 300 euros et sans avoir autant d'options possibles derrière à faire quoi. Donc, rapport qualité-prix, j'ai cherché énormément sur internet. Alors j'ai regardé des vidéos sur internet des gens qui avaient le Atoto 6 qui n'était pas le pro et qui râlaient un petit peu sur deux trois options qui ont été modifiées. C'était sur le démarrage du poste. Comme c'était une tablette Android, quand vous démarrez, ça mettait presque une minute à. Voilà, vous voyez là, j'ai coupé le son. J'ai coupé la batterie, vous voyez plus le son, c'est normal, je vais dire une bêtise. Mais on appuie sur bruit parasite. Et là, bon, quand vous remettez la clé de contact, boum, ça redémarre instantanément. Sur la radio, c'est pareil, les gens râlaient parce qu'on démarrait. Ouais, alors c'est ça. Ouais. Le seul défaut qui est chiant. On va le faire ensemble, c'est que comme là par exemple vous mettez la radio. C'est la transition entre le prochain 91, 2012, la signature maison vous de disque. Le contact. Vous redémarrez le contact. Ah bah si on démarre sur ça. Ouais, c'était bah, là donc, par hasard, mais tu vous sais voyez, c'est sur l'ancien modèle. J'ai coupé le son. Sur l'ancien modèle, vous reveniez automatiquement tout le temps à cette chaîne 87.5. Ça a été corrigé. Alors après en appli, qu'est-ce qu'il peut avoir également? Je pense à ça. DVDR, bah ça c'est par exemple voilà, là, aucune caméra, vous pouvez enregistrer directement, soit directement sur le poste selon bah, les capacités que vous allez choisir. Alors, je sais plus l'état exactement, moi je crois que j'ai pris le maximum en mémoire. Après bah, vous avez toujours la petite micro SD ou l'USB, donc ça c'est à vous de voir exactement que vous voulez pour votre investissement. Après ça se joue pas à énormément de sous, par exemple entre le 64 Go et le 256 Go quoi. Donc, et là voilà, ça c'est bah, toutes les applications qui sont enregistrées. Donc vous avez le GPS test, moi je vais pas vous le mettre parce que je suis à l'intérieur de mon garage, donc ça va pas capter. Qu'est-ce qu'on a, ouais, bah, le Gmail de toute façon, après c'est une tablette, dites-vous bien que c'est une tablette, donc toutes vos applications qui sont sur votre téléphone, vous les retrouverez sur le truc. Ah, il y a ça aussi, TMPS. Alors moi je l'ai pas acheté encore ce petit module, ça vaut une cinquantaine d'euros. Vous avez un petit module que vous venez fixer derrière le poste et en fait ça vous donne la pression de vos pneus et la température de vos pneus. Alors vous allez me dire, si vous avez une Clio, ça n'a pas grand intérêt. Quand vous commencez à avoir des voitures qui sont ultra puissantes, ça peut être pas mal de l'avoir.
surtout que voilà, je vais dire un exemple tout con, si vous, vos pneus doivent être aller à 2 bar 2 de pression, si vous roulez à 1 bar 8, vous allez consommer de l'essence en plus. Donc c'est pas mal. Après ça reste un gadget bien sûr. Bah, en option, bah écoutez, pour le poste là, je pense que c'est tout. Moi je l'ai pas installé, mais vous avez deux écrans de protection, deux films qui sont à coller, un peu comme les protections que vous avez sur les smartphones. Donc ça, moi je les ai pas mis, mais vous en avez deux qui sont vendus avec. Et puis bah voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que bah, ça vous aura plu, que je vous aurai un petit peu aiguillé. S'il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est le téléphone. C'est le téléphone qui est là. Alors on retourne dans les contacts. Donc là vous retrouvez tous vos contacts que vous avez dans votre téléphone. Vous cherchez un nom qui commence par P, par exemple P, papa, voilà, vous le retrouvez directement ici. Juste en haut là sur le petit cœur pour avoir bah, vos favoris, les numéros les plus recherchés pour pouvoir aller chercher directement dans les grandes listes. Là vous avez quoi, bah, ça c'est tous vos derniers appels, ça pour faire l'appel directement depuis le clavier. Et par exemple voilà, si vous voulez remettre un numéro en favori, bon, là, on va prendre Al Capone. Bon, effectivement je connais les mafieux de la. Vous appuyez sur le petit cœur et là quand vous irez donc dans les favoris, vous retrouvez directement, vous les supprimez, vous rappuyez, on enlève le petit cœur et c'est reparti, c'était supprimé. Voilà, c'est tout pour le poste. Encore une fois, pour le prix, la qualité est bluffante. On va se retrouver où je vais vous mettre une petite photo du poste à l'arrière. Je vais pas vous démonter mon poste pour vous montrer un peu toutes les fiches parce que derrière j'ai beaucoup de câbles, beaucoup de gestion électronique au niveau de la voiture. Donc c'est un peu compliqué de vous le montrer, mais j'ai essayé de vous l'expliquer à partir d'une photo. Normalement la photo, les fiches sont numérotées. Ça devrait être assez simple à vous expliquer. Allez, à tout de suite. Allez, nous revoilà maintenant bah, sur l'arrière du poste. Donc je vais essayer de vous expliquer ça simplement. On va partir de la gauche vers la droite. Donc les deux premiers petits jacks que vous voyez, le premier qui est sur la gauche, c'est pour venir mettre une option pour avoir la commande au volant. Moi je ne l'ai pas, je ne l'ai pas installé. Je ne sais pas le prix, mais ça vaut pas super cher. Je pense que ça va être aller entre 10 et 20 euros grand maximum. Ça ressemble à un petit bracelet qui vient se prendre sur le volant et vous avez les commandes pour monter le son, baisser le son. Enfin, moi, je trouve pas l'utilité, je trouve que ça fait moche. Après, on n'aime pas. Chacun fait comme il veut. Le deuxième petit jack, ça, vous l'aurez dans le pack. C'est pour venir brancher donc le micro qui vous servira donc à téléphoner. Ensuite, on passe à la fiche noire qui est la fiche ISO donc qui servira à venir raccorder votre poste. Après, on va enchaîner sur tous les RCA, donc en partant le premier à la verticale, donc le rouge, blanc, jaune. Ça, c'est une entrée vidéo, donc pour venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, venir mettre un lecteur DVD, alors qui ne sera pas, à mon avis, en haute résolution, mais bon, qui sera, à mon avis, de qualité correcte. Ensuite, on va passer sur la deuxième rangée de RCA, toujours à la verticale, où en fait les deux premiers servent à mettre les caméras. Donc, soit la caméra au niveau de la plaque à l'arrière, au niveau de la plaque. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez un genre, donc sur la caméra qui sera arrière, une option avec un genre de quadrillage pour vous stationner. Alors, je ne sais pas si ça aide, si ça aide pas, je ne l'ai pas testé. Mais ça fait un peu ce qu'on peut voir voilà, sur les voitures modernes. Ça fait un genre de place de parking avec des traits. Maintenant, à l'utilisation, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise sur un écran déporté. En fait, je pensais que ce poste-là était capable de le faire. Et là, je me rends compte qu'en regardant la fiche technique, c'est pas capable de le faire. La dernière fiche jaune est une fiche subwoofer.
Alors, moi, j'ai jamais branché mes subwoofers comme ça, sur une seule fiche. Alors, est-ce qu'on peut mettre une fiche qui passe de 1 RCA en la branchant sur le poste et qui rebalance vers 2 RCA? Donc les deux câbles qui sont après rouge et blanc, là, ce sont bien deux câbles de sortie d'ampli. Moi, j'ai branché mon ampli là-dessus. Après, à vous de tester si vous voulez le brancher comme ça. Enfin, moi, j'ai branché sur ceux-là. Vous retrouverez également encore un petit port. Donc maintenant, on va sortir au niveau du RCA rouge, un petit port USB. La petite fiche à côté, un peu couleur blanche, crème, c'est là où vous viendrez mettre votre fiche avec les deux sorties de câbles pour la charge rapide. Et en dessous, vous avez donc deux fiches, une bleue et une allez, rouge bordeaux, on va dire. La bleue est pour le Wi-Fi et la rouge bordeaux est pour le GPS. Vous ne pourrez pas vous tromper, de toute façon, les couleurs sur les fiches correspondent, enfin, elles correspondent quoi. Vous aurez deux récepteurs qui sont totalement différents, un qui ressemble à une barrette, l'autre qui ressemble à un cube. Et à la sortie de chaque fil, vous avez les couleurs qui correspondent au branchement. Et le dernier que vous retrouverez, eh ben, ça sera pour brancher tout simplement votre antenne. Je vais rajouter encore une photo après qui va vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le pack. Je vous l'expliquer voilà, en 2 petites secondes. On se revoit sur la prochaine photo. Allez, c'est reparti, nous voilà pour la dernière photo. Donc comme vous pouvez voir, bah, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué, mais là, branché. Ça, c'est vraiment ce que vous recevrez dans le pack. Donc le micro, la fiche ISO, la barrette qui est l'antenne Wi-Fi, les deux petits chargeurs USB rapides et l'antenne GPS. Vous aurez également deux pattes de fixation. Il y a deux fiches ISO différentes selon les modèles de poste que vous avez. Ou comme moi, si vous avez un poste qui est un poste repiqué sur un poste d'origine, on va dire qui est propre à la marque et qui n'est pas un poste classique à façade, mais qui sont incorporés dans les consoles, vous aurez sûrement besoin de la fiche noire avec toutes les fils dénudés pour refaire votre propre câblage. Après, c'est pas souvent compliqué, les couleurs correspondent. Je vais vous aider un petit peu, aller grosso modo vite fait. Pour l'alimentation, vous aurez besoin du rouge, du noir, du jaune. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai pas de bêtises. Le orange. Le orange, ça sert à ce que le poste soit rétroéclairé. Vous aurez, si vous avez des amplis, le bleu qui sert au remote. Et après, on va dire tous les câbles qui sont donc violet, vert, je ne sais plus exactement. J'ai un trou de mémoire. Attends, je vais essayer de trouver ça dans la fiche technique. Violet, vert. Purple, donc violet, ouais, ça, je viens de le retrouver. Violet et gris. Avec les plus et moins qui sont les enceintes avant, gauche, droite, avant ou arrière. Enfin, ça, vous regardez sur Internet, vous allez trouver facilement les fiches techniques pour faire le câblage vous-même. Voilà, c'est fini pour la présentation du poste. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, bah, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si j'ai dit une connerie, bah, vous me corrigez. Et puis, bah, à bientôt. Ciao!